Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Dans cette vidéo, nous allons aborder donc ce problème de continuité d'une fonction. L'énoncé est le suivant. Trouver la valeur de k pour que f de x est égal à racine carrée de 1 plus kx moins racine carrée de 1 moins kx sur x si x est compris entre moins 1 et 0, strictement, et 2x plus 1 sur x moins 1 si x est compris entre 0 et 1. Soit, donc cette fonction doit être continue en x est égal à 0. Bien entendu, la fonction f est définie sur l'intervalle moins 1, 1 exclu. Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème. Alors, pour qu'une fonction soit continue, il faut que la valeur en f de 0, ici, donc la limite quand x tend vers 0 moins, c'est-à-dire les valeurs inférieures à 0, x s'approche de plus en plus vers 0, négativement. Donc, la limite quand x tend vers 0 moins de f de x doit être égale à limite quand x tend vers 0 plus de f de x. Donc là, x tend vers 0, ça veut dire que x est proche de 0, tend vers 0 positivement, donc avec des valeurs positives de x. Alors, x tend vers 0 moins, donc ça veut dire qu'on est ici, on est dans ce cas-là. Donc quand x est négatif, on a cette fonction-là. Et quand en 0 plus, on est dans ce cas-là. Alors, quelle est la valeur de limite quand x tend vers 0 plus de f de x ? Eh bien, c'est limite quand x tend vers 0 plus de 2x plus 1 sur x moins 1. La fonction étant définie sur 0, pour x est égal à 0, eh bien on peut remplacer x par 0, donc c'est f de 0. 2 fois 0 plus 1, donc 1 sur moins 1, donc moins 1. Donc il faut trouver la valeur de k, telle que limite quand x tend vers 0 moins de f de x, donc limite quand x tend vers 0 moins 2 racine carrée de 1 plus kx moins racine carrée de 1 moins kx sur x est égal à moins 1. Alors ici, on est embêté parce que sur 0 ici, et si, si on remplace par 0, on va trouver 1 moins 1, 0 sur 0 forme indéterminée. 0 sur 0 forme indéterminée. Alors on va essayer de transformer cette expression pour calculer réellement la limite. Donc ici, ça va être la limite quand x tend vers 0 moins. Et là, on va multiplier le tout par le conjugué de cette expression, du numérateur. Donc 1 plus kx moins 1 moins kx sont conjugués, ça va être 1 plus kx plus 1 moins kx. Donc ici, 1 plus kx moins 1 moins kx, racine carrée bien entendu, fois 1 racine carrée de 1 plus kx plus racine carrée de 1 moins kx. Racine carrée de 1 plus kx plus racine carrée de 1 moins kx. Ici, on a a moins b, a plus b. Donc ici, limite quand x tend vers 0 moins, ça va être a au carré moins b au carré. Donc la racine carrée au carré, bah, c'est le nombre lui-même. Donc 1 plus kx moins 1 moins kx sur x racine carrée de 1 moins kx plus racine carrée de 1 plus. Donc 1 plus kx. 1 moins kx. 1 moins 1, 0. Plus 2 kx plus kx, donc 2 kx sur x. Racine carrée de 1 plus kx. Plus racine carrée de 1 moins kx. Donc, bien entendu, c'est limite. Donc ici, on va pouvoir factoriser par x, donc il va rester, donc limite quand x tend vers 0 moins 2k sur racine carrée de 1
plus kx plus racine carrée de 1 moins kx. Or, quand x tend vers 0, ici ça va valoir 0, donc les k vont disparaître. Il va rester 1 plus 1 est égal à 2. Donc ici, 2k sur 2. 2k sur 2, ben, il restera k. Donc, en fait, donc finalement, k, donc k ici, doit être égal à moins 1. K va être égal à moins 1. Bien, la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube CVMath. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.